Salut à tous et à toutes, c'est The True Gamer et M5. Bonjour, bonjour. Et vous l'aurez remarqué, c'est le premier épisode avec le micro dont je vous avais parlé dans une annonce. Donc voilà, vous avez remarqué que vous n'êtes plus obligé d'aller vous chercher des mouchoirs pour arrêter vos oreilles de saigner. On va vers le loin déjà. Ouais, on va y commencer en ne perdant pas de temps. On vous avait laissé il y a un mois et demi. Facile, je pense. Ouais. Il y a un mois et demi à la 4ème ou 5ème étoile du monde des sables trop mouvants, c'est-à-dire le monde 8. Le monde 8, voilà, le monde des sables, tout ça. J'ai plus l'habitude. On nous a bien fait remarquer que tu aurais pu utiliser la carapace verte pour slider sur le sable. Ah non, mais j'ai déjà essayé, hein, faut pas. Ouais, non, mais je l'ai déjà essayé, c'est un truc que je ne maîtrise pas du tout. D'accord. Donc voilà, c'est totalement volontaire. Et voilà. Se justifie, hein. Ouais. Et aussi, je tiens à dire que si, pour les fails à venir dans les quelques... Oh putain, bordel de merde. D'accord, celui-là, dans celui-là. Ouais. Voilà, je tiens à préciser que je me suis pas échauffé, donc je recommence direct et... Oui, ça fait un mois et demi qu'il a pas touché une manette, enfin moi. Si. T'as touché une manette. Je suis allé chez mes grands-parents, il y a... Ah oui, c'est vrai, juste il y a GameCube. Ouais. Et t'as joué à quoi? J'ai joué à Wind Waker, c'était très bien. Toujours. Bah, il est très bien, j'adore ce jeu. Ah ouais. Enfin, je refais une nouvelle partie, puis j'ai pas dépassé la forteresse maudite. Parce que j'avais pas le temps et puis j'allais à la plage. Alors, déjà, j'en ai une première, il y en a une autre là-bas. Bah bon, vas-y, je sais pas, raconte tes vacances. Avec un... Oui, voilà, donc on peut raconter des vacances. Sans le vouloir, on a été au même endroit tous les deux en vacances déjà. Ouais, alors, on va commencer par ça. Donc c'est en Charente-Maritime. Donc monsieur... Oh putain, voilà, c'est bon. Monsieur un jour me dit ouais, je suis en parce que moi je suis charentais, hein. Oh putain. Je lui dis, non voilà, je lui dis ouais, je suis dans ton coin. Voilà, parce que moi je suis en Poitou Charente. Voilà, non déjà ouais, t'étais en Poitou Charente parce que moi je suis charentais. Enfin je sais qu'il vient du Poitou. Mais c'est pas grave. Voilà, je viens du Poitou Charente. Enfin je viens de Charente, pour être plus précis. Et voilà, toute ma famille habite là-bas. Coucou, je suis dans pour ceux qui habitent là-bas, je leur fais une putain de dédicace de la mort. C'est trop bien la Charente. Ouais. Ouais. Ah non, si, il m'a volé ma casquette, ce BD. Bon, voilà. Et à un moment, il me dit, vas-y, raconte. Donc je lui fais, ouais, coucou, je suis dans ton coin. Bon, ok. Et il me demande précisément où, et c'était, je lui dis, vers Royan, à Saint-Palais-sur-Mer. Et mes grands-parents habitent à Vaux-sur-Mer, qui est une petite bourgade juste à côté. Je sais pas si tu vois. Non. On est passé par. Oui voilà. Oh putain, non. Oh et merde. Je voulais. Tu peux remonter? Non. Ah énorme tête. C'est l'habitude de viser le trou, il y a un peu con. Hein non, je peux faire exprès, c'est tout. Bon, bref, allez, voilà. Et en fait, voilà, donc on a habitué. Malheureusement, parce que j'y allais moi aussi, on n'a pas pu se voir. Non, voilà. Je suis allé une semaine avant lui. Hein. Voilà, moi je suis allé juste après. Ça c'était pas du tout ma première partie de vacances. Alors d'abord je suis allé en Bretagne. Donc tu as acheté une collection de parapluies je pense. Voilà, non et je te ferais dire que la Bretagne était le seul endroit en juillet sur lequel il ne pleuvait pas. Eh ben, tu regardais la carte météo, il n'y avait que la Bretagne. Et donc, ils en ont fait une quinzaine de pages dans le livre des records. le livre des records de France. Voilà. Genre, incroyable situation. Genre, ils ont pris en photo la carte météo, si tu veux, et ils l'affichent en grand sur toutes les mairies bretonnes. C'est vrai? C'est ça, non. Bah non. Ouais. En Bretagne, non, mais là où je vais, il fait beau. C'est Quiberon, c'est la presqu'île, vraiment. Oui, je veux très bien aussi. Voilà. Non, mais pour les autres. Enfin bref, vous pouvez regarder sur Google Maps ou Google Earth. C'est là pour ça. Et vive nos games. Voilà. C'est tout, vas-y. Donc j'étais à Quiberon, c'était bien. Voilà. J'étais chier comme une merde. Au moins il faisait beau. Bon, pas plus qu'à Saint-Palais. Ah. Donc oui, ensuite bah, je suis allé à Saint-Palais sur mer, c'est ça? Oui, Saint-Palais sur mer. C'est ça. Ensuite je suis allé dans le sud-ouest. Entre Toulouse et Montauban. Je ne connais pas trop ce coin-là. Puis ensuite. J'aurais dû aller en Bosnie en fait, mais le voyage s'est pas fait. En Bosnie? En Bosnie. On me dit pas, oui, tu vas te faire sauter sur une mine, tu vas te faire sniper sur des champs de meubles. Tout le monde me l'a fait. Non, mais je la ferai pas. Hein? Parce que voilà, pour eux, la Bosnie c'est un peu un peu. Je suis démonté. Et qu'est-ce que t'es en train de faire là? Je suis en train de récupérer les pistes. Oui, il y en a pas là-haut. Non, mais je n'ai pas. Je n'ai. Je sais pas combien. On va voir. 3-4. Un boom, oui. Voilà, j'essaie de faire gaffe. C'est pas dur. Non, je t'emmerde. Voilà. Alors, pour ce qui concerne moi, mes vacances, non, c'est pas facile à dire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
juste, hein. Laisse-moi finir. Ah, d'accord. Bah, je pensais que t'avais fini. Hein. Je viens d'où, là? Bon, aucune idée. De Bretagne, encore. Non, des Hautes-Alpes. Ma grande tante a un chalet. Donc j'ai fait des balades. Voilà, c'était très joli. Oui, ouais, donc on peut passer à tes vacances. Alors mes vacances, moi début juillet je suis parti en colo avec un pote aux deux Alpes. Et bah, c'était très très... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, je veux pas lire ce putain de panneau. Alors voilà, c'était très sympa, j'ai fait du ski en été. J'étais dans les autres Alpes, hein, donc si tu veux je voyais des mioches avec un groupe 3 étoiles et tombe. Ouais, c'est ça, bon, voilà. Ah, j'étais vers le Grand Bornand aussi pendant deux jours. Faut pas du tout, c'est bon. Putain de bordel de merde. C'est vers Annecy. Ah. Bon, voilà, j'ai fait du ski. Mais... Oui, voilà. J'ai récupéré c'était du ski, putain. Je t'emmerde, d'ailleurs, j'ai un très bon niveau. Ouais. Je veux pas me la péter, mais j'ai un très bon niveau. Quentin, donc un mec IRL que vous ne connaissez pas du tout, qui est super bon ski, l'a reconnu, donc c'est pour dire. Et voilà, donc après je suis rentré sur Paris. J'étais pas sur Paris, donc évidemment on a fait un épisode. Hein. Voilà, sinon on aurait fait bien évidemment. Et après je suis parti à mon trou paumé en Dordogne. Et là je me suis fait chier comme une merde. Accupé comme un Ouais, je me suis compté pour finir 4 fois une Super Mario Bros sur DS. Putain! Donc histoire de ne pas passer 20 minutes sur cette étoile, je vais essayer de finir. Je crois qu'il y a ouais. Je sens que je vais mourir dans pas longtemps. Je sais, elle est là-bas. Après, je sais pas si je sais tout récupérer. Non, non, non. Ouais, elle est où? Oh, ta gueule. Non, mais je pense que tu n'as que 6 pièces pour le moment. Et voilà, donc je suis rentré, moi, il y a... Salope! Non, parce que je vais mourir! Joli. Oh putain. Tu es rentré, hein? Putain! Oui! Oh, non, mais... champion! Non, mais mec, tu te rends pas compte qu'on va faire un épisode d'une heure pour 2 étoiles? Ah là là, excusez-moi. Et que ça m'énerve parce que j'y arrive pas. En plus, normalement, dans cet épisode, on débloque un nouvel élage. Non. Bah, si, oui, on si. Ouvre une porte. En plus, donc je sens que cet épisode va durer 2 heures. Alors enfin. Voilà, on a fait une petite hélice parce que je savais plus du tout où était cette dernière pièce. Et mais en fait, elle on était un peu invisible. Elle était un petit peu invisible, on la voyait pas, donc voilà. On va la récupérer et... ouais. Oui. Retourner de l'autre côté. Je sens que je vais mourir. Bah, je sais pas pourquoi, je le sens. Il y a un truc comme ça.
Pendant cette ellipse, on écoutait avec plaisir le CD original de musique de Zelda Ocarina of Time, c'est un délice. Ouais. Pour ceux qui l'ont reçu gratuitement, comme moi, et comme Jean, ben franchement, bravo, parce que IGR, c'est... Ouais, c'est vraiment c'est la bonne musique qui est IGR. D'ailleurs, on prépare un truc avec de la musique de Zelda, entre autres. Vous allez voir que c'est pas piqué des hannetons. Pas piqué des hannetons. Oui, c'est une expression pour dire que c'est pas de la merde. C'est breton ça aussi? Non, pas du tout. Je sais pas d'où ça vient, c'est du vieux François. J'ai réussi! Bravo! Oui. Putain, faut que je réduise l'heure sur ma chaîne. Pourquoi t'as un bruit? C'est pas moi, c'est mon père. Qu'est-ce que t'as fait ces derniers temps? T'es venu dans le père? Oui. Hop. Ouais. Ma mère, elle m'a arrêté. Ouais. Oui, donc désolé, on a eu un petit bug, mais on reprend sans problème à l'énigme de la pyramide. Ouais, et c'est trop qui va jouer. Et j'allais dire, oui, c'est moi qui suis. Non, faut que... Voilà, donc ça, c'est mort. On est obligé de faire tout le tour. Ouais, bah, alors, c'est pas... Non, moi, je pense qu'on va faire un truc, parce qu'on sent qu'on va faire comme des merdes. On va rentrer dans la pyramide, et en fait, on ne mettra au montage que la partie où on a réussi. Parce que là, je pense qu'avec un son longueur, tu peux arriver à... Allez. Je vais les viser un petit peu plus. Voilà, donc on va faire déjà, voilà, déjà première faille, on va déjà ici. Premier fail, effectivement. Et voilà. Je joue, donc c'est à toi de parler. Hein. Ok, alors... Surtout que j'ai pas l'habitude de jouer. Je sais pas, est-ce qu'on fait un petit... On peut commencer à annoncer certains jeux. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait annoncer, parce que faut pas... Pas de spoil, c'est des surprises, parce qu'on... Voilà. Déjà, je préfère déjà dire qu'on a... On a prévu quasiment tout ce qu'on allait faire fin 2011. Oui. On a minimum, là, minimum. Mais je dirais même jusqu'à été 2012. Quoi. On a à peu près tout prévu. Ouais. Enfin peut-être pas. Non. Peut-être pas. Mais enfin, on a quand même prévu pas mal de choses. Oui. Qu'est-ce que je peux dire d'après toi? Moi, tu peux parler de TTC. Je peux vraiment en parler? Mais vraiment dire le concept tout ça? Ouais. Non. Ouais, bah, je... ouais. Non. Oui, mais bon, c'est pas ça. Ah. Mais non, mais j'essaye de à chaque fois. Vas-y, vas-y, fonce là-bas. Mais non, non, je t'ai pas assez. Si, j'avais largement accès. Mais, ouais, ok, non. Donc en fait non. Non, mais j'ai sauté, mais le truc a pas. Ah bon. Okay, ouais, bon, allez, allez, allez. Alors, bah vas-y, hop, tiens, bah non, je te le rends. Bah non, j'y arrive pas. Si tu veux y arriver. Alors, TTC, alors, ouais, on va commencer par ça. Alors, déjà annoncé qu'on a, on va déjà avoir deux projets en parallèle. Une fois qu'on aura fini, alors déjà, essaie, voilà. Alors, non, si possible, voilà, ouais, de dos, et tu passes par là. Bien, oui, bien, oui. Voilà. Deux projets en parallèle, donc déjà une saison 3 en termes de workflow. Donc voilà, donc on hésite un petit peu, mais je pense qu'on a à peu près prévu, mais il y a encore... Ouais, je dommage pour ouais, c'est, on avait prévu de faire un premier choix, je vais pas le dire, au cas où on le fasse vraiment, mais c'est un jeu que je connaissais vraiment pas assez bien pour faire quelque chose de... intéressant. Donc on a décidé de changer, mais il faut vraiment qu'il y ait... On a plus de trucs à prévoir. Ah bon, bah on va... Oui, je sais que... Oui, tu vois... On va pas par là. Non, c'est le seul. Voilà. Et, mais je pense que ça peut se faire. Enfin, je vois pas trop sur elle. Je pense que... ça va pouvoir se faire et je pense que ça va plaire aussi. Bah. Et en deuxième projet parallèle, on va faire une aventure suivie sur Minecraft. Donc c'est ça, TTC. TTC, alors... Texte. Non, c'est d'un autre point de la base. Alors, donc on va, alors ça va être une aventure où on sera que tous les deux. On sera sur un serveur, enfin on sera sur un serveur, mais serveur privé, créé pour l'occasion. Et donc, voilà, au niveau de ce qu'on va faire, je pense qu'on veut garder un peu la surprise ou pas. Ouais. Donc
Donc ça s'appelle DDG, si vous voulez essayer de deviner ce que ça signifie. C'est des initiales, ça ne veut pas dire tout. Ça veut dire autre chose. Mais je sens déjà. T'es con. Ouais, voilà. J'y ai pas pensé à le faire. Non, mais déjà, bon, tout est compris, les données. Oui, voilà. Et voilà, et je pense que ça peut bien plaire aussi. Mais en tout cas, je sens que je vais m'amuser à le faire. Je sens que ça va m'éclater bien. Je sais pas trop pourquoi. Alors, ça... on a déjà un prologue bien en fait. Ouais, un espèce de prologue bien évident, donc on va voir. En tout cas, nous, on a bien prévu le truc et on va bien se marrer. C'est bien, tu vas pouvoir récupérer. Alors, tu fais bien gaffe. Ah, bah, prends le coup, c'est là. Alors là tu fais gaffe, alors donc, en fait tu descends un peu tout seul. Non, c'est à gauche de la cascade. Ouais. Bien joué. Ensuite c'est juste en dessous de l'autre en fait. Oui. Oh. Et ensuite ouf. Saute par moment parce que j'ai pas de chance. Lire NON. Ça c'est pas grave, parce que la rivière de sable c'est rapide à dire. Non, tu montes sur une plateforme. Et voilà, donc voilà, on a déjà nos deux projets. Et voilà. On a eu beaucoup de demandes en termes de tout ce qui est des tripes pour Pokémon. Ben oui, c'est vrai que il nous faut au moins un tripleur sur Pokémon. Ouais, on a vu que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ça a pas l'air de réagir trop. Ouais, donc mec, on se fait une espèce d'alarme. Mec, va falloir vraiment qu'on le fasse parce que moi je... Nous on aurait bien fini. Hein. On aurait bien aimé que ça soit fini avant les vacances. On aurait bien le fait de Pokémon. Ouais. Et voilà, on va... Voilà, on... Et puis un autre, après, voilà. Donc, petite, je préfère redire des trucs, on a eu pas mal de demandes. Si vous voulez faire un trip, déjà, ouais. Ayez une chaîne YouTube avec, sur laquelle vous faites des commentaires. Enfin, ou des trucs. On a eu des demandes avec des gens qui n'avaient rien. Il n'y avait absolument rien, je me suis sûr qu'ils avaient un micro, c'est pour dire. Ouais, il y a un micro, il y a Skype, et il y a plein des commentaires parce que nous, on allait voir et puis on soit séduit aussi quand même. Alléluia. Bravo. Donc ouais, voilà. Et une chaîne, faites des trucs, des commentaires, n'importe quoi. Enfin voilà, quoi. Mais pour l'instant que... Vous ayez quelque chose, quoi. Quelque chose dans le vide. Je fais ça. Alléluia. Oh yeah. J'ai gagné le droit de faire le prochain niveau du coup. Je crois que c'est fini pour celui-là. Oui, non mais le prochain niveau. Oh, je peux le faire si ça te dérange vraiment. Non, ça va. Ok. Je vais pouvoir t'équiper. On part, c'est là. Oh, il a pas de casquette. C'est con, mais je m'en fous. Ouais. Bon, bah on va aller. Alors, on en est à deux. Oui, mais on a dit qu'on s'arrêtait après machin parce que c'est le seul qui est bon. C'est pas grave. Et ouais, on verra en fait. Ouais, on va faire un épisode de 3 étoiles et on en fera un autre de 2 en fait. Bon, c'est un truc comme ça. Parce que là, bah non, parce que là on sera obligé d'en récupérer une d'abord. Oui, je sais. Donc je pense qu'on va récupérer. Et après, on fera l'autre avec les deux autres. Ouais. Avec les deux autres plus. Monsieur le. Donc je sais plus combien d'étoiles il fallait. Mais genre. Il en fallait 30. Ouais. Voilà. Tout tranquille. Oui, donc pour nous c'est tranquille, donc vous voyez un gros miroir d'abord et derrière un trou, donc j'essaie d'aller dans le truc, mais en fait... Non, on peut pas. On peut pas, puisque c'est un vilain monde. On a trouvé le sous-marin de Baou. Ouf, on est déjà c'est pas grave. C'est A pour nager, oui. Ouais, tu martèles, ouais. Bah oui, je martèle, parce qu'ils vont pas aller. Donc tu rentres là-dedans, et tu vas tout droit. Tu connais les étoiles? Mmh. Moi aussi j'ai fini Super Mario 64, j'ai juste pas refait 4 ans. Ça c'est quand tu fais chier pendant les vacances. Non mais moi je jouais, mais le jeu. Ces vacances typiquement j'ai commencé et fini Dragon Quest 4. Et FF3 tu l'as fait ou t'en as non, je l'avais pas pris en fait. Ah. J'avais zappé le point.
Oui, sinon, effectivement, j'aimerais bien le faire. Si je le prêtais, FF3 sur DS, qui est un très bon jeu. Quoi d'autre? J'ai fini Ocarina of Time 3D, et j'ai commencé la Master Quest. J'en suis à... De l'eau. Qui m'a l'air un chouïa moins chiant que l'original. Ouais, moi je suis au temple de la forêt et le boss m'énerve. Non, celui de la normale quest. Moi je suis au temple de la forêt, il m'a fait chier, je suis au boss, j'arrive pas. Bon, je suis un peu nul. C'est un spectre de Ganon. Ah oui, mais il était dur, effectivement. Ouais, déjà, combien t'as de flacons? Flacons? Oui. Pas grand-chose. Tu sais, j'ai rien, vraiment rien, quoi. Déjà, j'ai pas Epona. Je peux la récupérer après, mais je l'ai pas. Non, j'ai fait le truc sans absolument qu'une solution, c'est vrai que j'ai non, fait plus plein de trucs. Hein. Je pense que... Mais... Oh putain. Oh. Ah ouais, non, rien. C'était parfaitement quelque chose. Récupère l'étoile. Et voilà. Bravo, j'en ai marre d'être fort comme ça. Ouais, c'est lassant. C'était pas dur. C'était pas dur. Et ta sœur, elle est pas dure. J'ai pas de sœur et ma sœur, elle est pas dure. Putain. Oh. Donc on peut continuer, oui d'accord, on arrive à l'air de s'en foutre totalement, ça me fait plaisir. Est-ce qu'on s'arrête là, non? Non, c'est lui. Non, je pense le faire au prochain épisode, non. Mais ça fait 3 étoiles. Oui, mais on en ferait 2 étoiles plus ça. Bah non, justement 3 étoiles plus ça et ensuite on reste 5 étoiles. 2 étoiles seulement, ça fait... Oui, mais 2 étoiles plus ça, ça fait 3 et ça fait... Non, oui, surtout que les... Non, les deux suivants, c'est pour. Donc en fait, non. Tu veux que je le fasse? S'il y a pas un putain de c'est là. Oui, non, mais je reconnais. C'est pour ça. Putain, s'il te plaît. Vas-y, suicide-toi. Et donne-moi ça. Ah, c'est deux tombages dans la lave seulement. D'accord. Je vais oublier. Enfin voilà. Enfin vas-y. Ah, ok, vaillamment fait les deux étoiles, là j'ai la flemme, surtout que pour propulser Boozer, là je vais avoir un peu de merde. Donc il faut mieux rester en vie de profil. Pour Didiou. Ah non. Ouais, c'est pas rigolo ça. Alors là, je sens que je vais le fail. Mais parce que moi je prends pas la patte. Mais j'ai pas l'habitude. Ouais. Pas grand chose. Alors, là, il va falloir faire vraiment très gaffe. Ça va quand même du point. Mais non, bon. Mais on vise la vie, on vise. On survit. C'est mignon ça, ouais. Ouf. C'est pas grave, tu gagnes. Enfin, lui, on s'en fout. Ouais, non, mais c'est pas grave. C'est vrai, je suis prêt à me réconcilier à Conciliana. Tu ne marches pas. Il y en avait un autre aussi. Qui a fail? Tu as fail. Pourtant, le deuxième coup, j'ai réussi. Bah oui, mais bon, t'étais mort. Ta gueule. Si tu vas te faire foutre. Oui, donc vite fait, en passant, pour Minecraft, on a besoin d'un serveur Minecraft. Et j'aimerais que vous nous disiez si c'est vraiment dur d'héberger soi-même le serveur. Enfin, genre, c'est si pour une connexion, genre la fibre. Voilà. Parce que, enfin, ça peut aller, si c'est correct. En parlant de connexion, d'hébergement, tout ça, on est rentré de vacances, donc... Olé, on peut organiser le truc sur MW2, sur Modern Warfare 2. Oui voilà, donc, on demande à toutes les personnes qui jouent à Modern Warfare 2. Alors, sur PC sur PC. Alors pas Black Ops. Putain. Alors pas Black Ops. Sur PC, Modern Warfare 2. Je tiens à préciser parce que je les sens déjà arriver les... Eh mais moi je suis à Black Ops et je suis sur PS3 pour faire une partie. Non. Non mais je préfère. Comment dire, on est déjà à 4, je dirais. Alors, répète. Nous deux, Pitel et Monix. Mais Monix c'est une gangrène. Non, il est pas mort. Je te rassure. Et de toute façon, tous les taguettes en fait. Non, t'as pas mort. Parce que là, je suis. Ah oui, oui. Mais ça m'énerve. Mais oui, Jean-Pierre, oui. Putain, mais j'arrive même pas à dépasser le début, quoi. Ouais, je t'emmerde, tiens, vas-y, fais-le. Je vais le doubler, je vais arriver au boss, et après...
ton... Alors, déjà, moi je suis vraiment plus en forme. Je vais pas faire le débile, je vais prendre la place. Oui, puisqu'il y a... Bravo, c'est comme si j'étais arrivé là avec toi, te chanter en rapide. Non, j'ai juste sauté. Oh, y'a rien là. Y'a juste une pièce rouge, mais on verra ça plus tard. Voilà, je le voyais de loin, je le voyais de loin, que je me suis dit, il va quand même pas le faire, il va quand même pas réussir à nous faire ça, et ben s'il l'a fait, c'était encore plus moche. Attends, c'était calculé, si tu me dis que c'était calculé, je te frappe. Non, c'est involontaire, mais c'est pas très grave, j'ai dépassé. Là oui, non, mais putain. Non, je prends pas le raccourci de malade sur le côté. Ah d'accord. Là, ça ne sert à rien. Moi, non, généralement, je cours sur le truc. Ça sert à quelque chose? Bah, ça va plus vite plutôt que de s'accrocher. C'est plus bien. Ouais, je pars sur le côté, je fais un son longueur là. Bon, voilà. Ah oui, oui. Là, normalement, un son longueur et je passe directement de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Donc là vous voyez un niveau de jeu plus prudent, pas plus mal. Dommage. Là tu peux pas faire grand chose d'autre. Là t'attends. Le marche. C'est un peu signé. J'aime bien faire des sons de plusieurs. Ça arrive. Alors ça. Allez. Oh putain, quel château. J'ai dit que je te frapperais. Non, tu m'as dit si je parlais mieux. Non, je te frappe quand même. De toute façon, je vais te frapper. Ah oui, faire des numéros. Non. Ah non, oui, je peux descendre. C'est débile, va être obligé de tomber. Les dialogues, je crois qu'on l'a déjà dit, mais les dialogues étaient plus sympas avant. Donc voilà, donc on arrive sur le boss. Qui est, ma foi, dur. What the fuck? Hein? Oui, oui, je vous ai... Ça, là? Dialogue, désolé. Ouais. Attends, je suis désolé. Attends, je peux écrire là-dessus? Tiens, oui, au fait, on est le 27 août et on va repenser à nous tout à l'heure. Ouais. Oui, non, mais j'avais... Oh, j'avais compris, j'avais... Ouais. Ça m'énerve, parce qu'il y a aussi ce problème-là. Oui, voilà. Énorme. J'avais même pas le temps de le choper, t'es d'accord? Non, mais faut pas qu'il soit aussi loin. Ouais, mais... Voilà, et là, tu... Oui. J'arrive aussi vite que toi. Mais tu vas aussi vite que toi. Alors que je crache du feu. Tu craches du feu. Alors que j'ai du feu. D'habitude il crache 3 boules de feu. Mais non, ouais, non, mais là, il est quand même super chiant. Oui, 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 non, mais je peux pas. Ah, mais putain. Ah bon, là, c'est léger.
essayé plusieurs fois. Ah putain. Oh oh oh. Oh, oh du premier coup. Miracle. PGM. Miracle. Bon. Oh, PGM. On va aller voir si. PGM. Moi, le grand Bowser vaincu, non, ça ne compte pas. Je dormais, t'as triché. La prochaine fois, je te mangerai les oreilles. Tu vas voir ta petite fiche rejoignant au haut de la tour. Allez, à la prochaine. Oui, donc on est le 27 et on va aller à Rock'n'Scène. Et oui, c'est génial. On vous en a pas parlé. Et ça va être très bien. Oui. Ça va rocker du pénis. Et on t'entend plus parler, M5, vu que t'es trop loin du micro. Je ah bon? Ah bon, vous m'entendez? Pardon. Il faut dire au revoir. Regardez, et quitter. Allez. Voilà. Donc voilà, donc on va se laisser à la fin de cet épisode, je pense, assez long. Assez long, malgré qu'il soit court en étoile. On a fait sûrement beaucoup de montage, mais bon, et ciao tout le monde, à la prochaine. Et de Mario. Et je sais pas, manger des frites. Ciao. Des petits wraps.